sacré pour la vie éternelle. Nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Oh, combien il est bon, oh, combien il est bon, oh, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, oh, il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Oh, et comme un agneau, il vint ici bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier au mort, où est ton aiguillon? Oh, combien il est bon, combien il est bon. Oh, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Oh, pareil à un aigle, il vole sur Jésus, il voit nos besoins. Il n'est en danger qu'à chaque tour, il jette ce cri. Ne craignez rien, car je suis là. Alléluia. Mon Seigneur, mon Dieu, oh, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Oh, et comme entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage, il ne saura calmer. Nous sommes plus qu'en sécurité. Alléluia! Il est bon, combien Jésus, il est bon, combien Jésus est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Moi, je j'adore mon Seigneur Jésus. Oh, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi, je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Oh, combien il est bon, combien il est bon.
Jésus, m'attends et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, où un sauveur, Jésus, l'amour. Vous comprenez, on ne ressort, c'est en Jésus que te pardonne. J'abandonne ma vie.
Alléluia. Mes frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous avons un frère qui vient de l'Angola. Il s'appelle Dieu Merci. Vous êtes là? Vous êtes là? Frère, vous êtes là? Voilà, il est là. Mettez-vous, s'il vous plaît. Nous allons prier pour lui, pour ce frère que vous voyez là. Il est arrivé ici à Kinshasa, il a des problèmes. Le Seigneur connaît de quoi il s'agit. Nous allons prier pour lui, après avoir lu cette écriture, que nous allons bientôt lire, en psaume 86, verset 6, au verset 12. Nous allons lire en psaume chapitre 86, du verset 6 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, Yahweh, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse. Car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne te ressemble. Rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur. Et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand. Et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Yomoko kaka ozali nzambe. Enseigne-moi tes voies. La kisanga ibanzela na yo. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. La kisanga ibanzela na yo, ô Yahweh. Et je marcherai dans ta fidélité. Na kotambo la kati na bosembo na yo. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bongisa motema na ngai na bobangi ya nkombo na yo. Je te louerai de tout mon cœur. Na kosanzola yo na motema na ngai mobimba. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur, mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Comme nous l'avons dit au début, nous allons prier pour notre bien-aimé qui vient de l'Angola.
en essayant de me raconter de quoi il s'agit, le problème est grand et très long. Le Seigneur connaît le cœur. De quoi s'agit-il? Nous allons implorer la grâce, Seigneur, que le Seigneur le délivre de l'emprise du diable. Que le Seigneur le délivre de toutes les attaques de l'ennemi. Et qu'il soit avec lui dans cette ville de Kinshasa. Nous allons aussi remettre le kit d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec chacun de nous. Du début à la fin. Et qu'il soit aussi avec son serviteur. Qu'il va prêcher aujourd'hui. Après ce cantique, nous allons prier ensemble. Mes frères et sœurs, bien-aimés et Père Céleste de mon salut, d'Abraham et d'Abraham le de Jésus. Jésus de Nazareth, qui est vivant, qui est le seul Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé dans l'amour où j'étais, qui m'a appelé dans les contrées de ce monde, et qui m'attirera pour venir à toi. Mes voix se devant ta face. Taille-moi la maison de la parole de Dieu. Taille-moi Jésus de l'ordre de Jésus. Taille-moi Jésus à la maison de la parole de Dieu. Et redresse-moi Jésus-Christ. Redresse-moi ce que tu as.
Nous demandons à frère Adam Bongo d'aller au micro d'en haut pour pouvoir prier. Frère Adam Bongo va au micro de Bargon pour prier. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps merveilleux que tu nous offres encore. Seigneur, nous sommes venus sous ce soleil battant puisque nous savons qu'il y a quelque chose de très important ici. Père Saint, reçois-nous tels que nous sommes. Certes, nous sommes allés à plusieurs endroits où nous avons vu des choses, nous avons fait, nous avons pensé peut-être des choses qui ont été en marge de ta parole. Père Saint, nous te supplions de nous pardonner et de nous regarder au travers de ce sang précieux que tu as versé. Et Père Saint, nous savons que tu es infiniment grand. Et nous sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous venons devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Espérant recevoir quelque chose de ta part. Ton serviteur Branham disait, en ta présence, on se réjouit. Car on sait que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et quand tu es présent, Seigneur, tu ne viens pas avec main vide. Tu amènes des bénédictions célestes. Père Saint, bénis-nous. Ta parole va être apportée. Nous te remettons ton serviteur qui va parler de ta part. Père Saint, parle à chacun selon son besoin. Réponds à la requête de chacun. Père Saint, ne nous laisse pas rentrer tels que nous sommes. Nous venons ici pour nous préparer pour ce grand voyage qui arrive. Oh Père Saint, ne laisse pas ce moment passer simplement comme ça. Oh Tata Moussant, quand tu as été tango, il est caca caboye. Père Saint, aide chacun d'entre nous ici. Tata Moussant, songa moko na moko kati na biswa. À résister à l'esprit au sommeil. À télémer la pongi. Et à tout esprit de distraction. Et na elimunyo si akozanga bokebi. Que chacun de nous ait son attention rivée à la chair. Moko na moko aza la penza na bokebi na liloba. À ce que tu vas nous dire au travers de ton serviteur. Père Saint, nous te remettons nos bien-aimés qui sont en route et ceux qui sont à la maison qui s'apprêtent à venir pour voir les moyens de transport et soit avec eux tout au long du chemin comme tu l'as fait avec nous. Père Saint, je te remets ton fils qui vient de l'Angola. Certes, il a écrit une requête. Mais à celui qui connaît ses problèmes et qui les perce, c'est toi. Père Saint, accorde-lui la solution. Et sois avec lui pendant son séjour ici à Kinshasa. Est-ce qu'il est venu faire, Seigneur, accorde-le-lui. Nous te remettons notre berger qui est à l'étranger pour un voyage missionnaire. Père Saint, fais que la terre américaine lui soit en bénédiction. Et que lui-même soit en bénédiction à ta progéniture. Nous te remettons ce culte. À partir de maintenant, sois avec nous, Seigneur. Ne laisse aucune distraction venir en nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Qu'un feu nouveau s'allume. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte. Alléluia, c'est que mon offrande, Jésus mon roi, et mes fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Jésus accepte. Zambe apambola biso nyonso. Que Dieu nous bénisse tous. Apambola ba nyonso ba embeli ene sengo. Qu'il bénisse tous ceux qui l'ont chanté avec joie. Pe apambola ba nyonso ba tieli ye motema. Et qu'il bénisse tous ceux qui se sont confiés en lui. Le Seigneur se souvient de nous. Kolo azali ko kanisa na ntina na biso. C'est vrai qu'il se souvient de nous. Et il bénira. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira les petits et les grands. Soyez bénis par l'Éternel lui-même. Qui a fait le ciel et la terre. Bon alimémien, tu peux te lever rapidement. Par respect, nous pouvons lever rapidement. Et nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 86. Psaume 86. Verset 6. Molonga Mutoba. Éternel. Yahvé. Prête l'oreille à ma prière. Tanda litoyi na libonde linangai. Sois attentif à la voix de mes supplications. Zala na bokebi na mongongo ya malombo nangai. Je t'invoque au jour de ma détresse. Na kopelela yo na mokolo ya mpasi nangai.
et tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Mon côté azali lokola yo katikati na banzambe. Seigneur, Nkolo. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Pelo ko mokote ko kani na misala na yo. Ah non. Oh, vraiment. Écriture ezakitok. Cette écriture est merveilleuse. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Mon côté azali lokola yo katina banzambe. Prenez n'importe quel dieu. Bozo nzambe kaka nzambe. Oyo bato bazolo ba tel est dieu. Donc les gens disent tel est dieu, l'autre est dieu. Tel est dieu. Celui-ci est dieu. Il a fait ceci. Asala ki boy. Il a fait cela. Asala ki boy. Non, parce qu'il a guéri tel. Il est dieu. Comparer ce dieu avec un autre dieu. Tu vas voir que personne ne lui ressemble. Et mon côté kokani na ye. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face. Seigneur, et rendre gloire à ton nom. L'homme le plus chanté, l'homme le plus prêché, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été manifesté en chair. Il a été cru dans le monde. Prêché aux gentils. Et élevé dans la gloire. Et la prédication, c'est en son nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Donc par ce nom, nous devons être sauvés. Toutes les nations viendront et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Alors, parce que toi seul, tu es Dieu, enseigne-moi tes voies. Ô Éternel, oh Yahvé, et quand tu m'enseignes, je marcherai dans ta fidélité. C'est comme ça que nous avons dit hier, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles pour les croyants. Enseigne-moi tes voies et je marcherai. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Balingami, bien-aimés, mes frères et sœurs, Dieu nous a tant aimés. Et l'amour dont il nous a aimés, c'est un amour éternel. Bolingo ya solo. Un véritable amour. Bolingo o ezanga bokosi. Un amour sans tromperie. Bolingo. Un amour. Yamalamu. Un bon amour. Bolingo. Un amour. Oezanga intérêt. Sans intérêt. Po. Tangwaya kikoku felabiso. Parce que quand il est venu mourir pour nous, Ngana yo tozalaka kutu batote. Toi et moi, nous n'étions même pas des hommes. Tozalaka ndebakufi. Nous étions des morts.
Mais il est venu mourir pour nous. Regardez d'abord comment a dit le Romain. Il a dit à peine. Tu peux mourir pour un homme de bien. Mais nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, lui est venu mourir pour nous. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset Nango. Son verset. Tout bandata na de poto tozo alikanisi malam. Commençons même à partir du deuxième verset pour avoir l'idée. À qui nous devons d'avoir eu part? Et pas inaye, to sengelinde kozoa lisangana. Accès à cette grâce. O yingeli nangoloyo. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même dans les afflictions. Nous glorifions même dans les afflictions. Parce que mon un enfant de Dieu. Tu marches à pied. Regarde-moi qui n'adore pas, mais j'ai un véhicule. Moi qui n'adore pas, j'ai de l'argent. Un enfant de Dieu. Qu'il manque le véhicule, qu'il manque la maison, il est toujours joyeux. Parce que c'est que le bonheur ici-bas, la vie ici-bas, n'est que l'ombre de la vie véritable. Nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'expérience. Or, l'expérience ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Est-ce que on sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous? C'est pourquoi l'amour dont il nous a aimés, c'est un véritable amour. Un amour sans tromperie. Voyez, Dieu Zambe nous aime. Même dans les afflictions, nous sommes pleins de confiance. Parce que tout concourt pour notre bien. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon dimi, incroyant, coquille mes preuves, ne fuis pas l'épreuve. Oh non, c'est trop. Oh Eleki. Non, c'est trop. T'es Eleki. Non, c'est trop. Oh Eleki. Non. T'es. Même dans les afflictions, nous nous glorifions. Nous parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez un récit d'un prisonnier qui était en prison. Lui en prison, chaque jour, il chantait. Mon cœur est plein de joie. Je suis enfant de Dieu. Jésus le dit et j'ai
les prisonniers l'écoutaient. Ils sont allés dire au magistrat qu'il avait arrêté. Mais prisonniers tolembi. Mais ces prisonniers ici, nous sommes fatigués. Nous tous en prison. Nous mécrons. Nous devenons maigres. Nous sommes tristes. Mais lui en prison. Il se réjouit toujours. C'est un homme joyeux. Tous les jours seulement chanter. Tous les jours seulement prier. Mais on ne comprend pas. Mais toi qu'on soit sur la terre. Est-ce qu'il a la souffrance, la tristesse de la prison ou il n'en a pas? Le chef lui a demandé. Papa, mais comment toi, tu te réjouis alors que tu es en prison? Moi, je me réjouis. Parce que je suis un homme libre. Toi, prisonnier, et tu es libre. Alors, non, je me réjouis. Parce que je suis un homme libre. D'ailleurs, c'est toi qui es prisonnier. Moi? Gai? Moi, le magistrat, Gai magistrat, celui qui te condamne, Gai, yo, enako, kwe, isa, Gai prisonnier, moi prisonnier, yo, moto, libre, toi libre, mais, yo, mais toi tu es en prison. Alobi, moi je suis en prison, alobi, moi, je suis en mais prison. Je me réjouis ça, c'est quoi, c'est parce que pouete. Je suis un homme libre. Azali, moto, yo, en so, alobi, parce que alobi, pouete. Christ, Christo. M'a affranchi Akangula, de la loi Utana, du péché et de la mort. Pe, yali, et celui qui croit à la vérité, la vérité solo. Le rendra libre. Je me sens libre. Même si je suis en prison, si Jésus vient, je partirai. Ah. Mais toi, parce que tu n'as pas crié, toi parce que tu n'as pas crié, si Jésus vient aujourd'hui, tu vas rester. Vous êtes encore liés parce que tu n'as pas crié à la vérité. Et un jour, ce magistrat a entendu la voix du bon berger. Lui aussi a crié au Seigneur. Le prisonnier a quelqu'un embrassé hier. Le prisonnier est allé l'embrasser. Alors, oui, je me réjouis. Alors, aujourd'hui, tu n'es plus prisonnier. Tu es devenu un homme libre comme moi. Oh! Oh! Mais tu étais prisonnier. Ah, mais aujourd'hui, tu es devenu un homme libre. Tu es affranchi de la loi, du péché et de la mort. Yoka magistrat. Écoutez le magistrat. Comme Dieu ne t'a pas condamné, moi aussi je ne te condamne pas. Aujourd'hui, Boloko na yo esili. Fini ta prison. Boloko na yo esili. Son emprisonnement était fini. Bien-aimé. Palingami. Tondi masolo. Croyons la vérité. Défendons la vérité. Tolo bela solo. Ndenge doyen. Comme le doyen. Frère Bosenge yabanda ikote ya awa. Frère Bosenge prêche ici. Aimons la vérité. Tolinga solo ango. Défendons la vérité. Tolobela solo ango. Croyons la vérité. Tondimela solo ango. Vivons la vérité. Tolikela solo ango. Parlons la vérité. Tolobalantina solo ango. Parce que c'est la vérité. Pwete zali solo. De ko rendre biso libre. Il nous rendra libre. Kuza ko monde. Voyez. Kolo alinga biso fort. Le Seigneur nous a tant aimé. Bolingo et Zangi Bokos. Un amour sans tromperie. Tosili Saki Nano. Hébreté. Nous n'avions pas encore terminé Hébreu. Lilobango, frère, à quel Isus Gozoali, commis mon soussou. La parole, le frère est allé encore prendre une autre écriture. Ezape Kitoko Isus Gozoali. Qui est aussi vraiment merveilleuse. Yango Domona Lilobanzambe, écriture Nyosoto Gozoa, Ezaga bien. C'est pourquoi vous voyez la parole de Dieu, toute écriture que nous allons prendre, c'est toujours bien. Yokali Komiango. Écoutez l'écriture. Nous rentrons là-bas dans psaume 86. Alobi éternel. Alobi Yahweh. Prête l'oreille à ma prière. Tanda litoyi na liponde linangai. Omoni, nous en tant qu'enfant de Dieu. Oui, biso lokola bana nzambe. Nous devons prier. Tosengeli kobondela. Et savoir Pekoyeba. Qui prier. Nani yango to kobondela. Il pas prier pour il faut prier. Koyeba ke. Faut savoir que nazo bondela nan. Qui j'ai prié. Ce n'est pas comme je vois. Ils allaient na Kinshasa awa. Ici à Kinshasa. Pancarte. Des pancartes. 102 jours de prière et de jeûne. 102 jours de prière et de jeûne.
96 jours de prière et de jeûne. 96 jours de prière et de jeûne. Thème. Thème, Mama Likambo. Carton rouge. Carton rouge. Ouais. Oh là là. Non, Kinshasa. Oh, Kinshasa. On aura tout vu. Ah, tokomona nyonso. Tokomona nyonso na Kinshasa. On aura tout vu à Kinshasa. 22 jours de prière. 22 jours de prière. Et de jeûne. Et de jeûne. Thème. Moto Likambo. Carton rouge. Carton rouge. Ah. Oh. Non, papa. Eh, papa. Nous, quand nous jeûnons, nous lavons notre visage. Et c'est dans le secret. Notre Père a secret. Il connaît même dans le secret. Nous ne pouvons pas montrer au monde que nous jeûnons. Nous allons au stade. Aujourd'hui, nous déclarons fini la gêne. Ce sont des païens qui font cela. Kango. Pour être vu par tout le monde. Et qui sont en train mais de gêner. Mais vous, quand vous priez, entrez dans ta chambre. Ferme la porte. Votre Père écoute. Mais dans le secret. Oh. Pancarte. Pancarte. Les jours des miracles et des guérisons. Mokolo, yabikamuseli, pe yalipik. Nani yabisi yoke, et vous allez jour aba miracle na guérison. Qui vous a dit que ça sera les jours des miracles et des guérisons? Et bateau. Et des gens. Bazo kende na mbongo. Ils vont avec de l'argent. Bazo kende na ba mbongo à consultation. Ils vont avec de l'argent de consultation. Bakia kosomba ba fiche avant mokolo angwe kuka. Ils vont acheter des fiches avant que ce jour arrive. De 1 à 2 à 100. De 1 à 100. Fiche, il y a de 1 à 100, 100 dollars. Les fiches de 1 à 100, 100 dollars. Bon, fiche, il y a pasteur à Ningia Lemba, de 100 à 200, 50 dollars. De 100 à 200, 200 dollars. Fiche, oye Moussousou, oye Landi, oana, 20 dollars. D'autres fiches qui suivent là, 20 dollars. Babola, oye pasteur à Kosimba, na Maboko, te, mais à Kobon de la Pona Bangon à distance. 10 dollars. Les pauvres pour lesquels le pasteur ne va pas les imposer les mêmes, il va prier à distance 10 dollars. Alors, baoyo mosusu. Alors d'autres? Oyo, bakobona la pona bangona distance c'était. Donc on ne priera pas pour prier à distance. Mais bakopé saka ka prière d'ensemble batonyoso bobonde la pona bato ba pesi mbongo te. Mais on donnera seulement la prière d'ensemble tous ceux qui n'ont pas donné l'argent. 10000 francs. 10000 francs. Mais pona bato 100 dollars. Mais pour les gens de 100 dollars. Ils allient prière oyo aliboso. C'est la première prière. Il y a pasteur yemoko. Du pasteur lui-même. Azo imposer main. Il impose les mains. Qui a donné 100 dollars? Il y a 100 dollars. Fiche numéro 1. Fiche numéro 1. Passez devant. Les calibos. Tu es guéri. Yo, Biki Sami. Tu es guéri. Oh, Biki Sami. Tu es guéri. Oh, Biki Sami. Oh. Tu es guéri. Oh, Biki Sami. Loba aussi, oh, Biki. Et tu es déjà guéri. Motosoga, Biki. Si quelqu'un guéri. Abika Kanaye. Il est guéri. Mais regardez dans la Bible. C'est beau, t'as la carte dans la Bible. Matthieu chapitre 9. Matthieu, Liboa. Verset 2. Écoutez ce que Dieu dit. Et voici, on lui amena un paralytique sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous écoutez? Alors, quelques scribes disent au-dedans d'eux, mais cet homme est blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquelles sont les plus aisées de dire, tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il. Au paralytique, prends ton lit et marche. Ils ont oublié que celui qui guérit les maladies est le même qui pardonne les péchés. Selon Psaume 103, Bazo ni makil guérit les maladies. Bazali konimela celui qui guérit les maladies.
Bazon dit que Jésus guérit les malades. Mais Babo y a pardonné le péché. Mais il refuse qu'il pardonne. Mais la Bible dit, c'est lui qui guérit les maladies. Est le même qui pardonne les péchés. Psaume 103. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui Dieu. C'est lui l'Éternel qui te pardonne de toutes tes iniquités. Et c'est toujours lui qui te guérit de toutes tes maladies. Voilà. C'est cela. Celui qui guérit les maladies est le même qui pardonne les péchés. Et quand Jésus disait, pas au nom de Dieu, pas au nom de tel, mais il donnait l'ordre. Toi paralytique, lève-toi et marche. Balobi, non. On a dit, Balobi, quelqu'un s'est levé et marchait. Bandimi, miracle. Ils ont crié au miracle. Que moto abiki. Que mais quand il a dit, tes péchés ne sont pardonnés. Balobi, ils ont dit, il blasphère. À Kotuka. Mais or la Bible dit, mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Pas seulement mon âme, mais tout ce qui est en moi. Ma force, mon intelligence, mon esprit, que tout ce qui est en moi. Et ça, je la combonaye. Loue son Saint-Nom. Pourquoi? C'est lui. C'est lui. C'est lui. L'Éternel. Yahvé. Qui te pardonne de toutes tes iniquités. Et c'est toujours lui qui te guérit de toutes tes maladies. Et dans le cancer, c'est l'Éternel qui te guérit. Et dans le rhumatisme, c'est l'Éternel qui te guérit. Et dans le diabète, c'est l'Éternel qui te guérit. Et dans la cirrhose des foies, c'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Peu importe le nom de la maladie que tu connais, notre Dieu guérit. C'est toujours lui qui te guérit du cancer. Mais non, nous et les frères médecins, nous ne sommes que ceux qui soignent. Mais les guérisseurs, c'est notre Dieu. Voilà. C'est cela. Mais voir un prédicateur se lever et dire, venez aujourd'hui, je veux guérir les malades. Et toi, tu crois. Un enfant de Dieu, juste quand il entend ça, au départ, c'est faux. Parce qu'un homme ne guérit pas, c'est l'Éternel. C'est lui qui guérit les maladies. Est le même qui pardonne les péchés. La Bible est claire. Bible est appelée. Et quand Jésus guérit, c'est sans argent, sans rien payer. Si nous y allons un peu ici, comme le dit la parole, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Oh, c'est merveilleux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du lin sans argent, sans rien payer. Pourquoi
Pourquoi? Pèsez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi? Travaillez-vous par ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera. Demain, c'est glant. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et regardez dans Matthieu chapitre 10. Il a appelé les disciples. Il leur donna le pouvoir. Allez par tout le monde. Allez prêcher et dites. Le royaume des cieux est proche. Et ensuite, guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné, croyez-vous cela, Église? Sans argent, sans rien payer. Donc nos prières, nous adressons à Dieu, pas à un homme, les secours de l'homme n'est que vanité. L'Éternel prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. C'est comme ça que nous avons lu dans Hébreu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il a le rémunérateur de ce qu'il cherche. Quand tu pries, croyez que Dieu va écouter. Lorsque tu pries, crois que Nzambe que Dieu a koyoka. Il va exaucer. Tala tango to bonde laka. Quand nous prions, moto na moto azo bonde la nandenge na ye. Chacun prie de sa manière. Elingi kolobate bisonyo soto bonde la kaka na français. Ça ne veut pas dire que tous nous devons prier en français. Tope na lingala. Ou en lingala. Kasi moto na moto. Mais chacun. Azana lokota. Il a une. Oyo ayoka kake. Il entend que ce qui n'a bon d'aller dans le coto, si je prie dans cette langue, je ne recherche pas de mots, facilement, mais des paroles que parce que je sais que le Seigneur m'écoute. Et lorsque tu pries, Ndima, crois que ta prière et koyokana sera exaucée à celui dont tu pries. Parce qu'il est écrit, son oreille n'est pas courte pour écouter les prières. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Il nous a posé la question comme ceci. À qui me comparez-vous? Et pas yanani boko kani sangai. Frère. Bandeko. Voyez-t-il que nous sommes assis ici? Tu regardes vraiment les saints. Tu regardes les frères. Yamilai, et les géants. Yamikuse, les cours. Yamindo, les noirs. Yapembe, les blancs. Bruns. Nous sommes l'œuvre de sa main. Nous tous ici. L'ouvrage de sa main. Mais l'homme, triste, il vient ici, il oublie son créateur. Un homme, c'est malheureux. Malheureux pour l'homme. Il oublie son créateur. Romains chapitre 10, Balomazomi, verset 8. Mulongo ya mwambe.
Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la foi. Et quand la parole est prêchée, nous transmettons la foi. D'ailleurs, la Bible dit. Dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Quand nous prêchons, nous transmettons la foi. Et si tu crois la parole, tu as la foi. Vous devez prendre Dieu au mot. Quand Dieu dit quelque chose, croyez. Et frère, si tu crois réellement, même dans le quartier où tu habites, comprendre bien ils ne vont pas bien te comprendre. Ils te verront comme quelqu'un de traqué. Alors toi, tu sais, prends Dieu au mot. Ce que tout le monde voit, c'est compliqué. Toi, avec le grand Dieu en toi, tu dis que c'est facile. Tu sais que parce que notre Dieu paie tout. Romains chapitre 4, verset 19. Regardez la foi, regardez Abraham. Commençons au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crie et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il crut Dieu. Il savait que notre Dieu est capable de rajeunir Sarah et moi-même. Et Dieu l'a fait. Frère Omoni, Soki Bandeko, Bakomama na Biblia, Bakoma Bango. Si on a écrit ses frères dans la Bible, Bandima Makamboyo, ils ont écrit ces choses. Des fois Natango na Biso, des fois notre temps. Tozo Monake, nous voyons que des petites choses, Biloko Yamike Miki, ils ont quoi ils abiso, nous fait tomber. Papa, papa, Loko la Mai Monana, comme la mer rouge. Mai Monana, la mer rouge. Peyoka Moïse. Pourquoi c'est écrit? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, yo, qu'est-ce que tu as dans ta main? Seigneur, Kolo, les bâtons. Lingenda. Mais ta main, c'est frappe-le. Oh. Je frappe ses mains comme ça. Frère, si c'était toi et moi aujourd'hui, nous pouvions raisonner. Mais on lui a dit que frappe-le. Et sans douter, gloire à Betaki. La Bible dit, l'eau s'est fendue. Et il marchait à sec. Pe batambola ki na bokauki. Pe tango bakatisi. Lorsqu'ils ont traversé, ba égyptiens ba lobi. Les égyptiens ont dit OK. OK. Bisonyo satozo le kakaka wa. Tous nous allons passer seulement là. OK. OK. Les voies de Dieu sont insondables. Banzela nsambe mutoko kupima ngote. Yaka kota. Viens entrer. Kota. Entre. Kota. Entre. Kota. Entre. Kota. Entre. Ebale.
La mère. Oyebi moto ya kelayo. Tu connais ton créateur? Alors, n'as-je pas ça que instruction kabona pour Israël et Aleka? Je t'ai donné les instructions de te séparer pour qu'Israël passe. Déjà basi baleki. Les gens ils sont déjà passés. Oh batikali na yebi bangote. Ceux qui sont restés, je ne les connais pas. Oh l'ordre dit très haut. Oh mitundu yawo ya lekili kolo. Et balé akoko résister. La mère ne pouvait pas résister. Ameli bangonyos. Ah les englouti. Bien aimé. Et kelamu. La créature. Et zoto sankolo. Au pays. Kolekayo moto. De plus que toi homme. Regardez ce jour-là la croix. Un homme qui a déchiré les habits du Créateur. Mais le soleil a fui. Le soleil a fui. Mais l'homme l'a déchiré les habits. Mais le soleil a fui. Il a dit ce qu'on m'était. Les ténèbres. Jusqu'à tel point que. Jusqu'à ce que Kuna na tempelo, là au temple, et l'amba ya tempelo et pasuki, le voile du temple s'est déchiré. Quand les rideaux du temple se déchira, le lieu très saint est comme ipolele. Et le lieu très saint devient accessible. Bien aimé, aujourd'hui nous avons des privilèges. Aujourd'hui, tozana litomba. Regardez selon l'histoire comment était l'ancien temple. Le tabernacle avait trois étapes. On a dit le parvis extérieur. Là, il y avait tout. Même les animaux. Il y avait le peuple. Et là, il y avait la lumière du soleil. Il y avait le lieu saint. Zaki na ici comme ça. Et là, c'était les sacrificateurs. Zaki ne banganga ça. Et les lévites. Pe baléwi. Et là, Pekuna. Il y avait les chandeliers d'or. Zaki était le meilleur moyen de yolo. Le lieu saint était éclairé. Esika mosanto. Par les chandeliers d'or. La télé meilleur moyen de yolo. Il y avait le lieu très saint. Parce que Zaki na ici que le kibou. Là-bas. Kuna. Personne n'y entre. Mon côté azaki koyingela. Personne n'avait accès. Mon côté azaki koyingela. Vous et moi. Yonanga. On ne pouvait pas. Toko kakite. Seulement Aaron, Bobele, le souverain sacrificateur, pouvait entrer une fois par an pour offrir des sacrifices pour lui-même et pour les peuples. Et là, avant d'entrer, il doit se rassurer qu'il n'avait pas de problème. Et lorsqu'il entrait, il fallait pas qu'on gagne singa na mokolo parce que ceux qui a koufi kuna, moto ya kokota. Il n'y avait personne pour entrer. On va seulement les tirer. Parce que là-bas, il n'y avait pas la lumière du soleil. Là-bas, il n'y avait pas la lumière des chandeliers. Il n'y avait pas de chandeliers d'or. Mais les lieux très saints, ou les lieux saints des saints, étaient éclairés par la gloire de Shekinah. Croyez-vous cela, Église? Mais aujourd'hui, les lieux très saints, ces jours-là au calvaire, ces jours-là à la croix, les chemins étaient frayés et les rideaux du temple étaient déchirés. Et maintenant, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous n'avons pas à avoir paix. Nous ne croyons pas de quoi. Aujourd'hui, Lelo, Dieu Zambé, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous avons des sœurs sacrificateurs. Nous avons accès à l'allié très saint. Aussi ont l'accès. Nous avons des bien-aimés sacrificateurs. Nous avons très saint. Droit. Et là, nous entrons pas par le sang des animaux, pas par le sang des boucs, mais les seuls étaient entrés. Le sel était entré. Et il est entré une fois pour toutes. Et il a donné les sacrifices. Ah, bien-aimé. Oh, Palingami.
Nous savons pas comment chacun a crié. Tu as crié de ta façon. Moi aussi, j'ai crié de ma façon. Celle que tu es en train de... Je ne sais pas. Parce que frère, est-ce que vraiment nous croyons que nous sommes dans les véritables. Croyez-vous cela, Église? Nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui, c'est Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Là, je suis dans 1 Jean chapitre 5. Verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Aussi, savez-vous que le Fils de Dieu est venu? Amen. Nous avons dit amen. Ayaki. Il est venu. Parce que nous avons dit que il y a trois venus qui nous concernent. Il y a trois venus qui concernent l'église épouse. Il est venu pour nous racheter. Et il l'a fait. Et il viendra pour nous prendre. Nous l'attendons encore. Et il viendra pour régner avec nous. Bien-aimés, nous régnerons avec lui, le roi des rois. Parce que lui régnera, nous aussi, nous régnerons avec lui. C'est vrai, il viendra régner. Il viendra régner. Et quand il régnera, à cause de la Yemo côté, il ne sera pas seul. Il régnera avec nous. Nous régnerons avec lui. Oh, quelle joie ça sera! Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et quand il est venu, il nous a donné l'intelligence. Mayel. Il nous a donné l'intelligence. Mayel. Ah, oui. Sois Mayel. Et l'intelligence. Il faut avoir cette intelligence. Parce que quand le Fils est venu, et que quand tu as accepté le Fils, il t'a donné l'intelligence. Mayel. Et cette intelligence, ce n'est pas pour avoir des grands diplômes, des diplômes de licence, des diplômes de doctorat, mais c'est pour connaître le véritable. L'intelligence que Dieu nous donne, c'est pour connaître le véritable. Avez-vous cette intelligence? Si nous avons cette intelligence, alors nous sommes maintenant dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui. Ses fils, est lui-même. Et lui-même, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est comme ça nous avons reçu la grâce de connaître le véritable. C'est comme ça même quand nous disons l'ange a vu Marie. Quand l'ange a vu Marie, pour annoncer la naissance de ce Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'ange est allé à Marie. Salut Marie. Toi à qui? Salut Marie. Toi à qui? Une grâce. Ah. Marie, toi à qui? Toi à qui? Une grâce a été faite. Catholique. Lisez bien la Bible. D'où vient
bien la version. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Catholique, lisez bien la Bible. Toi à qui une grâce a été faite. Marie a reçu la grâce comme vous et moi. Mais le seul, il y a un seul. Il y a un seul qui est plein de grâce. Elle est celui-là. Dans en lui et seulement en lui habite toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui était Dieu était versé en lui. Et c'est comme ça que nous disons, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est plein de grâce. Nous tous, que ce soit Paul, que ce soit Branham, que ce soit moi, que ce soit Marie, que ce soit Jean, nous avons obtenu miséricorde. Nous avons obtenu grâce devant lui. Et à chacun, cette grâce est donnée selon les mesures du temps de Christ. La grâce c'est Oya Salelango Branham. La grâce qu'il a fait. Ezayaye. C'est pour lui. Ezayangaite. Ce n'est pas pour c'est moi. C'est comme ça que dans le message, nous ne voulons pas des imitations. Quand Dieu a fait grâce au prophète et messager. Nous ne voulons pas des mensonges. Regardez. Cet homme, Moutouana. La colonne de feu, l'accompagnait. L'accompagnait depuis sa naissance. La colonne de feu a accompagné cet homme depuis sa naissance. Et pendant son ministère, bien-aimé, Dieu a opéré de grandes choses. Et nous avons la grâce en ces temps de la fin, Dieu nous a suscité un grand prophète. Et nos yeux, car ils voient. Et nos oreilles, car ils entendent. Et lui, payé. Dieu lui a fait grâce. Zamba salaki ngolo. Il pouvait. Akokaki. Azoteya. Il prêche. Alobi, je l'attends. Alobi, na kozelaye. Je l'attends. Naza kozelaye. Je l'attends. Na kozelaye. Alobi, je l'attends. Alobi, nazo zelaye. Il attendait la colonne de feu. Et Mbalamo, quand la colonne de feu descendait, et lorsque la colonne de feu descendait, il pouvait demander à l'assemblée de multiplier le silence. Et à ce moment-là, la colonne de feu pouvait se poser dans la tête d'un frère ou d'une sœur. Et le prophète tourne le dos à l'assemblée. Il va te dire ton nom c'est Jansi. Tata nayo Basele. Ton père Basele. Maman nayo Marie-Jeanne. Ta mère Marie-Jeanne. Outi Bwende. Tu viens de Bwende. Moi si nayo kombo na etel. Ta femme son nom c'est tel. Maladie nayo eza tuberculose. Ta maladie c'est tuberculose. Tu es guéri. Yo obikisa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme na kolo Jésus-Christ. Est-ce que tu crois? Est-ce qu'on dit Robi, oui, je crois. Reçois la guérison. Oya malibiki nayo nzoto. Eza ngolu naye. C'est sacré. Toi aujourd'hui, yo lelo. N'imitez pas. Comme kola te. Bon abisso. Pour nous, Balobi Nabiso Kaka, on nous a dit imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi, tu viens, frère, tu vois tel que ta maladie là. J'ai même montré, frère. Bon, Bazo Lukayo, on t'en sort ça. Mensonge. Lukuta. Tika Lukuta. Cesse le mensonge. Nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons plus nous attacher à ces choses. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes Katina Woya Solo. En son fils Jésus-Christ. Katina Moana Yesu Christo. C'est lui. Zaliye. Qui est le Dieu véritable. Zalensamba Yasolo. Et la vie éternelle. Masapoeleki.
les blagues, les fables, On sont passées. Apôtre Paul, vous voyez l'apôtre Paul. Alors, à même Timothée. Il a averti même Timothée dans ici. Dans 1 Timothée chapitre 4, je crois. Dans 1 Timothée, je crois, chapitre 4. Timothée chapitre 4. Yoka, alors, 1 Timothée chapitre 4, yoka, il lui a dit. Écoutez comment il lui a dit. Alobina, clairement. Polele. Atiama ina monogote. Il n'a pas mis l'eau dans la bouche. Nous aussi nous mettrons pas dans la bouche. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais nous savons dans Éphésiens 4 et 11 dans Éphésiens quand Dieu a établi le ministère, c'est pour que nous soyons tous parvenir Kokoma à l'unité de la foi. Éphésiens chapitre 4 verset 5, Éphésiens 4 verset 11, Kondima yango ezaka moko, il n'y a qu'une seule foi. Vous voyez, cesse de croire n'importe quoi. Yok, allo bien. Écoutez, il a dit ici ceci. Chapitre 4. Bah, Ephésiens chapitre 4. Verset 5. Zela kotanga mitano. Allo bien. Il dit ceci. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Et que tous les peuples disent Amen. Une seule foi. Croyons, frère. Tondi mabande. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Croyons. Tondima. Galates chapitre 5. Ba Galate mukapa mitano. Au verset nango. Verset nango 6. Na mulongo wa mutoba. Allo biboy. Jambi. En Jésus-Christ. Kati na Yesu Kristo. Ni la circoncision. Ezala kokata mangenga. Ni l'incirconcision. To kozanga kokata mangenga. Non de la valeur. Ezale na mutu ya te. Mais seulement kasi popele, la foi kondi mango, qui est agissante oye, kosalaka, par l'amour. Nanzela bolingo. En Jésus-Christ. Kati na Yesu Kristo. C'est seulement la foi. Ezale popele kondima. Éphésiens chapitre 2 bah, Ephésiens, et au verset 8. Car Jambier, c'est par la grâce Zanenangolo que vous êtes sauvés et par les moyens Zanzela de la foi. Ya kondima. C'est seulement la foi. Hébreux chapitre 10. Bah, ebele, mukapozomi. Yok. Écoutez. Oh frère, morning and then another one and Zambi boy na na pengui. Un frère, take it to me for moi enfant de Dieu comme ça. Est-ce que yebi soki na moi na Zambi? Est-ce que tu m'as dit que je suis enfant de Dieu? Na na zongi si ma frère. Oh, je suis rétrogradé frère. Nani a yebi tika go Zambi sa frère. Qui c'est arrête de juger le frère. Et bien le wiko Zambi sa te. Na ngena zo linga basi boy. Même tel que j'aime les femmes comme ça. Na zo yebi soki na moi na Zambi. Je fume les frères, c'est pas si je suis enfant de Dieu. Papa biso to yebi te makambo na makamba moi na Zambi na moi na Zambi te. Yo na Zambi boy. Pas juger. Dire qui est enfant mais de Dieu nous pas. Savons ce qui se retire, c'est pour se perdre. Ce n'est pas ça. C'est comme ça. Lisons l'écriture. Moi, si je vois quelqu'un s'égarer, à rétrograder, selon le témoignage de la Bible, que Dieu lui fasse grâce de retourner. Mais s'il est rétrograde, Bible lobby, la Bible dit, ce qui se retire, bah, c'est pour se perdre. Pour Mibungisa.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même a donné des conseils à ses enfants. Vous ne soyez pas du nombre de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas. Commençons un peu plus haut. Et mot juste. Non, 37. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Na matia wakapona na moni. J'ai vu ce qui concerne le thème central. Vous connaissez le thème central. C'est Maranatha. Il vient bientôt. Encore un peu de temps. Un peu de temps. C'est lui qui doit venir. Viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ici, c'est Dieu. Si le juste se retire, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Nous, les enfants de Dieu, nous, les élus, nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Croyez-vous cela, Église? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Bien-aimé, un enfant de Dieu, s'il arrive à un enfant de Dieu de tomber, il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas tranquille. Na abuki lokuta. Même s'il a menti. À cause de la kimiate. Il ne sera pas tranquille. Na aswani. Même s'il s'est disputé. À cause de la kimiate. Il ne sera pas tranquille. Na akwai. Même s'il est tombé. À cause de la kimiate. Il ne sera pas tranquille. Oh ayebi. Parce que c'est lui comme il lobby. L'écriture. Est-ce que Toloba? Est-ce que l'on tombe? Bakoyak. Sans se relever. À cause zanga kotelema. Ce qui est accueilli, s'il tombe, à cause d'un kimia, il manquera, à cause mal à l'aise, il sera mal à l'aise. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Seigneur, relève-moi. Parce que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Mais si tu vois quelqu'un vivre dans le péché et tranquilliser la mémoire, se consoler, non frère, même maintenant, non frère, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Mais nous sommes du nombre de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Si tu tombes, relève-toi. Allez de l'avant. Répands-toi. Reviens à Jésus. Répentez-vous et convertissez-vous. Faut te repentir. Bien aimé, c'est lui qui t'aime. Il ne t'aime pas. Tu as mal agi. Il veut te tuer. Enfant de Dieu, abandonnez le mal. Abandonnez le mal. Mabé. Le mal. Les autres kabolayo. Te sépare. Na mokelinayo. Avec ton créateur. Mabé. Le mal. Les autres kabolayo. Te sépare. Na tata nayo. Avec ton père. Lusumu. Le péché. Les autres tiayondelo. Mais il y en a mokeli. Toi avec le créateur. Tala Esaïe 58. Regardez Esaïe 58. Dengen kolazo loba. Tel que le Seigneur dit. Ceux qui tozo ganga awa. Si nous crions ici. Po batindi biso to ganga. Parce que nous a envoyé de crier. Nous ne l'allons pas abandonner. Aussi longtemps que toi, tu n'as pas encore crié. Tu n'es pas encore changé. La parole ne laissera pas. La parole qui reste toujours là. Esaïe 58. Verset 1er. Mulongo ya yambo. Alobi crie. Alobi ganga. Crie en plein gosier. Giliana ganga na mungongo makasi. Et ne te retiens pas. Peko mikangate. Ganga na mongongo makas. Crie à plein grosier. Kotikate. Ne te retiens pas. Élève ta voix.
comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Et la maison de Jacob, ses péchés, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner? Si tu ne le vois pas, devons-nous mortifier notre âme? Si tu n'as point égard, voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos passions et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous gênez pour disputer et vous quereller pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme lever ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. C'est comme une fois nous avons entendu par Frère Bosenge. Une sœur qui était en gêne est allée demander sa dette à quelqu'un. Lorsque cet homme-là ne lui a pas payé, il lui a dit, tu veux que je puisse abîmer mon gêne? J'abîme mon gêne seulement maintenant. Ils se sont d'abord disputés comme ça. Et leur rentrée, je rentre encore gêné. Ce n'est pas ça. Ils abîment mon gêne. Ce n'est pas comme ça. Ils abîment mon gêne. Quand vous gênez, soyez... Si tu as un problème avec toi, va, arrange. Si tu as quelque chose, bongisa. Arrange. Croyons. Tondima. Croyons. Tondima. Tout est possible Yonso à celui qui croit. Bien aimé, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Ozomona. Voyez. Talande ko Pierre. Regardez le feu, Pierre. Petelo. Le Seigneur Kolo. A tiki bango. Il les a laissés. Alobi binobo ngana kei. Il a dit, bon, moi je suis parti. Binobo kende. Vous allez-y. Bango ba kena boato liboso. Et ils ont pris la barque. Seigneur, biso toke na boate. Seigneur, nous avons pris le bac. Yo koya ndengeni. Comment est-ce que tu viendras? Te binobo kende. Ah, vous allez. Ngana koya. Moi je viendrai. Bango ba kena boate. Et ils sont allés avec la barque. Ba kei. Ils sont allés. Mais ye. Mais lui. Atikali. Il est resté. Azoté. Il prêchait. Parce que la vie de Jésus, c'est l'expression de l'amour. Lui, quand il marchait, il était l'expression de l'amour. Il était l'amour. L'amour marchait. Il était la parole. C'est lui le guérisseur. C'est lui le pardon. C'est lui le chemin. C'est lui la vie éternelle. Jésus-Christ était tout. Et quand il marchait, les disciples sont partis. Après, il a fini. La mer. La mer, savait. C'est lui qui marchait sur les eaux au commencement. C'est lui qui est venu dans la chair. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Parce que la vie de Jésus est l'accomplissement des écritures. Il pouvait dire, mais vous vous sondez les écritures. Vous croyez avoir la vie dans les écritures. Mais ce sont ces écritures qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais mes brebis du Seigneur attendent sa voix. Il a mis le pas. Mayetosi. Allô. Et il a marché sur les eaux. 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 Et les disciples l'ont vu. C'est un fantôme. Azali Mongoli. Un fantôme. Mongoli. Yoka Yekuna. Écoute-lui là-bas. N'ayez pas peur. Bozala na kobanga. C'est moi.
Bien-aimé, même si la parole est dit, même si la parole est dit, il frappe si quelque chose que tu as fait aujourd'hui ou hier, n'ayez pas peur. C'est ton Père qui te parle. N'ayez pas peur. C'est lui. Répands-toi et tu seras sauvé. N'ayez pas peur. C'est moi. Yoka Pierre. Écoutez Pierre. Si c'est toi, Benganyanaya. Appelle-moi que je vienne. Alobi, viens. Alobi Yaka. Oh, Nkolo. Mikbokelia Vikelam. Le créateur des instructions Pesami et Panamaï. L'instruction a été donnée aux eaux. Alobi Maï. Il a dit les eaux. Pierre Alinga Kita. Pierre veut descendre. Azindate. Qu'il ne soit pas noyé. Tikaya Tambola. Laisse-lui marcher. Na Kondima. Par la foi. Katina Yesu. Quand Jésus peut marcher sur les eaux, peut marcher, peut marcher, mais Nzotoyo, cette chair, Nzotoyo, cette chair, ah bien aimé, oh Balinga, Nzotoyo Tolati, cette chair que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pierre, Alongoli Miso, il a épané Yesu, écarté les Alongoli Miso, il a épané Mokeli, Pierre. Il a regardé les vagues. Il a eu peur. Et à Bangui. Il a eu peur. Lorsqu'il a eu peur. Il a commencé à s'ennuyer. Il a commencé à s'ennuyer. Pour que ça s'accomplisse. Pour que ça s'accomplisse. Pour que ça s'accomplisse. Le bon connaillé. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça mène pas bon. Pour ça. Pour sauver. Pierre a crié, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours. Frère Branham a fait sa commentaire. Balobi et Zata Bazala qui pèment. Ils étaient tout près. Dans Azozina, lorsque c'est noyé, ils n'étaient pas proches. Azaki, mais la main de Dieu, les a beaucoup c'était. Quand Jésus a levé sa main, comme c'est la main de Dieu, il a touché Pierre. Et il a dit, homme de paix de foi. Voyez-vous? Homme de paix de foi. Ah, et Dieu a permis cela. Caca Paul. Juste pour mon nana. Que cela. Yende Nzambe. Que c'est lui Dieu. Pierre, c'est un homme. Patango Pierre akoya koloba na baninga na ye. Quand Pierre viendra raconter à ça. Ah bolongba wana. A quitté là. Bino kutu. Vous d'ailleurs. Botambola na maite. Vous n'avez pas marché sur moi, les eaux. J'ai marché. Atambola avec Jésus. Nikolo ya mai. Sur les eaux. Boninga na ye pa koloba na ye. Aussi lui dire. Botambola ka na mai. Tu as marché sur mais ozindaka. Ce qui est sous terre. Ah, c'est pas Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Ah, otambola kana mai. Tu as marché sur ton les eaux. Nous croyons. Mais ozindaka. Mais tu étais noyé. Ce qui nkolote. Si pas le Kufaka. Mais tu allais mourir. Yonde. C'est toi. Oza makasi boye. Mais tu es na ekobo. Ne pona nkolo. Mais pas le Seigneur. Ce qui ne connaît akoyi. Relevez-le. Parce que Yesu te. Mais il y a plus obikate. Yo bika na likaya. Ne pona Yesu. Pour Jésus. Ce qui ne connaît azokoya. Kotonga yete. Relevez-le. Que Dieu vous bénisse. Zambe ya pambula bino. Frère Jérémy, j'essaie de lâcher. La tique qui était là. Lève-nous, frères et sœurs. Tout le monde va de Koba, c'est au bon de la Longo. Prions ensemble. C'est au bon de la Bissonioso. Cette victoire.
C'est pourquoi tu nous as réunis ce soir. Je pense que tu nous en as parlé. Nous te demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous donner la foi. Ce qui est mon est condima, Ezaliko Sila, Okokakobakiselabiso. Si tu vois que la foi diminue, que tu puisses nous l'augmenter. En ce temps, hier, il y avait beaucoup de gens comme nous le voyons aujourd'hui. Au jour de Noé, de Lot sont comparables au jour du Fils de l'homme. Il y avait prolifération des gens. Mais ceux qui sont entrés dans l'arche étaient très peu. Toi, tu poses cette question. Lorsque le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi? Donne-nous la foi. Augmente-nous la foi. Yo, pesibiso malobana yo petondimi yango. Tu nous as donné tes paroles, nous les avons crées. Olobi to ingela na ikuke ya nkaka. Tu nous as dit d'entrer par la porte étroite. Osali na olobi to zali ko naviguer contre courant. Ton serviteur a dit nous naviguons contre courant. Cette parole est dire ebima na monoko na bisote. Cette parole est dire que cela ne sorte pas de nos bouches. Bisoto biki na ngolu. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Ngolu ezali enforo imérité. La grâce, c'est un effort immérité. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous y allons avant. Jusqu'à ce que tu reviennes. Et que tu puisses nous trouver. Que, nous te que notre foi te soit agréable.
Mbala mususu enoka bato bazaki komona ye azaku bika mala mute mbala mususu. Des fois, Enoch, on le voyait, il ne vivait pas bien. Non, lui a veillé ton témoignage. Lama. Avant qu'il soit enlevé, il a été agréable. Nous voulons ton témoignage. Des fois, les gens peuvent te témoigner, mais, si toi tu témoignes un homme, le témoignage là est vrai. Les pharisiens qui se sanctifient. Tu pensais qu'il est saint. Et des fois, il n'a yangote. De fait, il ne l'est même pas. Nkolo, Seigneur, salaete lobiko na biso et se pelisa yo. Fais que notre vie puisse t'agréer. Pambola instrument utilisé na pourquoi? Bénis l'instrument que tu as utilisé ce soir. Totomboli koniba na biso. Nous élevons nos voix et secours. Et nous demandons ton secours. Chacun avec son problème. Pierre azindagine na mai. Pierre s'est noyé dans l'eau. Celui pour son secours, c'est pour le voyage. L'autre des fois, il a besoin que tu puisses le secourir. L'autre par sa maladie. Yo, ozalinzame yango ya solo. Toi, tu es le Dieu véritable. Yo okeseni na banzambe. Tu es différent des dieux. Banzambe ya mokili. Les dieux du monde. Bato ba mema kabango. Les gens les portent. Mais yo. Mais toi. Biso to mema yote. Nous ne te portons pas. Mais yo lobete bino nyonso bolemi na bozito. Boya nango epai na ngai. Mais tu as dit vous tous qui êtes chargés. Yango na pokwa to memeli yo ba bezito na biso nyonso. C'est pourquoi ce soir nous t'amenons. Pepe sa biso ya yo o ezangi kilo. Non, les dieux. Peto bima na pokwa pele pele. Que nous puissions sortir si légers. Kanisa Mosa na Joseph Lilanga. Pense à ton serviteur Joseph Lilanga. Esika ye azali. Là où il se trouve. Osunga yenkolo. Que tu puisses l'assister, Seigneur. Pona nini kosunga Mosa na Eva de Franquete. Pourquoi pas ne pas assister ton serviteur? Na mukumba oyo pesi yenkolo. De la responsabilité que tu lui as donnée. Donc bondela ukula moto moko. Nous te prions comme un seul homme. Ora génir être na mobimba. Que tu puisses lui régénir tout son être. Okoba na mosalo oyo pesa ye. Pour continuer avec le ministère que tu lui as donné. Na za bondela longo na bandi kunangai. Je te prie avec mes frères. Nantina na Israël. Au sujet d'Israël. Osunga ye. Que tu puisses assister l'Israël. Okamba ye. Que tu puisses conduire Israël. Olongisa Israël. Que tu puisses accorder la victoire Israël. Israël na poko oyo apambola mali susu. Que ce soir soit encore béni. Pendo sila ko pambola ye. Parce que nous l'avons béni. Pamboli likokoba ye. Et la bénédiction va continuer. Épouse parole, okokape ko pambola. Que tu puisses venir aussi l'épouse parole. Pambola mwana mwasi. Béni la sœur. Pambola pe mwana mobali. Béni aussi le frère. Office nyonso et pambola. Que tout office soit béni. Una na technique ba pambola. La technique soit béni. Bozongi na biso na katela boko na yo. Votre retour entre tes mains. Soko sepeli. Si te plaira. Mpe okomisi biso na makoyo ne yenga. Et tu nous fais arriver. Bozongi si biso lisusu. Tu nous fais encore retourner. Olo bela biso du haut des cieux. Que tu puisses nous parler du haut des cieux. Ma pamboli. Que les bénédictions. Et pambola okoko pambola biso. Que tu puisses nous bénir. Na lo lenge yo zali ko kanisa ngolo. Tel que tu penses Seigneur. Sunga ekolo na biso ya Congo. Notre nation Congo. Sunga président de la République. Assiste le président de la République. Mpe sunga gouvernement de la République. Assiste le gouvernement de la République. Bon, so bazali élevé. Que tous ceux qui sont élevés. En gloire et en dignité. En gloire et en dignité. Oko kape ko pambola ba. Que tu puisses aussi les bénir. Boeto bondeli o tata. Ainsi nous te prions toi père. Na bato nyonso bazali ko bela. De tous ceux qui sont malades. Ndeko na biso mobala uti na Angola. Notre frère qui vient de l'Angola. Biso to yebili kambo na yete. Nous ne connaissons pas. Mais yo yebi yango. Mais toi tu sais. Mais biso nde na bolingo. Mais nous par amour. Tozande ko supplier yo. Nous te supplions. Tozali ko imposer yo te. Nous t'imposons. Yo zali mokondi yo zali tata. Toi tu es le Seigneur. Tozali nde ko supplier yo. Nous te supplions. Et c'est pelisa yo. Qu'il te plaise. Tata souveraineté. Pour résoudre les problèmes na yo au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Ngai pe na zali na problème. Moi aussi j'ai un problème. Ndeko moi ça zali na problème. La sœur aussi un problème. Yako no mbala musa zana problème. Le jackal des fois un problème. Sunga pepe sa biso biano koko kana na kondima na biso notre foi to bondeli yo tata te prions toi père mais na komo na Jesu Christ au nom du Seigneur Jesu Christ. Amen. Amen. Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Boko ko vanda nous sommes déjà entendus tosili koyokana qu'il pleuve qu'il neige eza la boni to boni nous nous viendrons écouter la parole de Dieu. Biso tokoyo koyoka lo banzambe. Et ce sont les violents. Ils allaient débattre batuna makasi. Ils viendront écouter la parole de Dieu. Neba koyoka koyoka lo banzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambula bino. Frère Ben. Deko Ben.
La technique. Technique? Demain à le samedi, la prédication c'est à quelle heure? Lobby samedi prédication vous allez en Gonganini. De Krefeld. Ya Krefeld. Pardon? 19h30. Et le dimanche? Mokolo Yenga. Dimanche? 10h. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pamble Bino. Ezaki toko na yote, ezaki.